Bonsoir et bienvenue sur TV Africa, la télé qui vous fait voyager depuis chez vous. Bonsoir Claudette. Bonjour Louise, vous êtes très jolie aujourd'hui en rouge, dis donc. Également, merci. Pour cette nouvelle édition du journal des petits confinés, nous allons répondre à une question. Et oui, une question, Louisette. Comment se passe votre confinement ? Voici les titres du jour. Rester à la maison n'est pas synonyme d'inactivité. Au contraire, c'est ce que les petits confinés nous prouvent avec leur défi sport. Rien de tel qu'un défi dessin pour laisser aller son imagination. Evalina nous propose de réaliser un challenge dessin. Avoir le temps nous permet de cuisiner de délicieux mets. La chef Fanny nous présentera sa recette. Votre lit peut devenir un vrai terrain de jeu. C'est ce que Mila et ses acolytes gymnastes nous prouvent dans ce défi lit. À 20h, nous serons en direct des balcons pour un petit reportage sur les applaudissements du soir. Pour conclure cette édition, nous vous amènerons à la rencontre d'une famille peu ordinaire. Ils sont super-héros, mais au chômage. Nous irons à leur rencontre. Pour commencer cette édition, rien de tel qu'un peu de sport en direct de chez vous. Les bénéfices de l'activité physique ne sont plus à prouver. On vous propose donc quelques exercices réalisés avec brio par nos petits confinés. Ouais, pas mal. Evalina, future styliste, est elle aussi chez elle. Mais ça ne l'empêche pas d'exercer sa créativité débordante. Elle vous propose un défi made in chez vous. Écoutons-la et admirons ses premiers croquis. Aujourd'hui, je vais vous faire un challenge. Ça va être de dessiner votre propre mannequin. Donc, par exemple, super-héros ou avec des sortes de tenues, robes ou autre chose. Bref, comme vous voulez. J'ai fait un mannequin avec une salopette. Avec une robe. Ici, j'ai fait un mannequin, voilà, comme ça. Ah, pardon! Ah oui, alors. Ah oui, reprenons. Alors, en cette période de confinement, les plus grands chefs cuisiniers sont solidaires et nous font partager leurs recettes. Aujourd'hui, c'est le chef Fanny qui nous livre le secret d'une recette gourmande et facile à réaliser en famille. Des knackis, de la pâte feuilletée et de la moutarde. Les saucisses avec un petit peu de moutarde sur le dessus. Et quand c'est fini, vous, avec le couteau, vous joignez toutes les petites fentes. Vous prenez votre eau avec vos doigts, n'ayez pas peur. Et vous collez avec votre couteau. Ça va au four pendant 15 minutes et vous pouvez les manger en apéro, en les coupant en petits dés ou comme ça pour se faire plaisir. Notre lit est un endroit que nous privilégions pendant cette période. Mais il n'est pas qu'un lieu de repos. Mila et ses gymnastes l'ont bien compris et vous demandent de réaliser un défi. 30 secondes pour réaliser un maximum de pauses sur votre lit. À vous de jouer et écoutons le résultat en musique. Place au direct avec les applaudissements de la rue Charles Puyot. Un reportage signé F. Silla. Voici maintenant les interviews d'une famille de super-héros qui en ce moment sont en difficulté. Eh oui, les bandits ne sortent plus en ville. Et ils se sentent inutiles. Écoutons-les attentivement. On va interroger Papa Flash.
Bonjour. Alors, je suis Papa Flash. Feu. Super Feu. Comment ça se passe depuis qu'il n'y a plus école ? Très bien. Joy Flash. Joy Flash. Comment ça se passe en ce moment le confinement ? Très bien. Dans la maison, ça se passe plutôt bien, oui. Et vous aimez votre métier, Joy Flash ? Oui. Vous faites quoi comme travail ? Vous sauvez des gens ? Non, je cours juste. Et vous aimez votre super pouvoir ? Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter les voleurs avec vos flammes ? Oui. Malheureusement, je trouve qu'il y a plus grand monde actuellement dû au confinement. Je m'ennuie un petit peu. Voilà. Et tu manges quoi ? Des cacahuètes ? Au revoir, c'était le TF1 et nous reverrons la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'un super-héros. Et merci, c'était le journal des petits confinés avec ma Louisette. Au revoir Claudette. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous revenons demain en direct et surtout... Restez à la maison.